Changement de cap ici à New York après trois ouvertures consécutives en hausse. Le Dow Jones voit rouge ce vendredi matin. Il perd actuellement 0,79%. Même tendance pour le S&P 500 et le Nasdaq. Alors cette séance de vendredi est la dernière du mois de juin. Un mois de juin qui devrait, sauf surprise, être le premier mois de l'année négatif. La raison, eh bien Wall Street qui admet avoir réagi de manière excessive au nouveau projet de la Fed annoncé la semaine passée. Un projet de réduction d'achat de bons et donc de ralentissement de la politique monétaire américaine. Du côté des statistiques, il y a quelques minutes, l'université du Michigan a mis à jour son indice de confiance des consommateurs américains. Un indice en hausse, hein, 84,1 points. L'indice manufacturier de l'État de Chicago, lui, déçoit, passage de 58,7 à 51,6 points. Et puis pour terminer, petit mot des sociétés avec BlackBerry qui s'effondre totalement. Son nouveau smartphone ne s'est vendu qu'à 2,7 millions d'unités, là où les analystes en attendaient 3,3 millions. Du coup, on appelle quelques minutes ce vendredi matin. Eh bien, le titre de BlackBerry a perdu plus de 25% de sa valeur ici à Wall Street.